Alors, bonjour Monsieur Latour. Aujourd'hui, je vais vous faire mon analyse vidéo de Being at Home with Claude. Cette pièce-là, c'est une pièce de théâtre qu'on est allé voir dernièrement le 24 septembre au Théâtre du Nouveau Monde. Et cette pièce-là a été écrite par René Daniel Dubois en 1984. Donc, elle a été écrite en 1984, mais elle a juste été présentée en 1985 au public, dans un théâtre. L'histoire, ça se passe à Montréal en 1967, lors d'une fin de semaine de l'Expo 67. Et c'est l'histoire de Yves et de l'inspecteur qui, dans un bureau d'un juge, s'interrogent. Mais pour recommencer au tout début, ça parle de Yves et Claude, deux homosexuels qui s'aiment beaucoup. Il y a beaucoup de passion entre les deux, c'est assez incroyable. Puis un jour, Yves décide qu'il y en a assez. Ça, il tente de. Il veut pas que ça reste toujours comme ça, la vie qu'ils ont entre les deux, la relation qu'ils ont entre les deux. Fait qu'un soir, il décide qu'il va chez eux, décide d'immortaliser le moment. Donc, il veut garder la passion à tout jamais. Donc, il décide de trancher la gorge de Claude. Ensuite, après ça, il y a quelques jours qui se passent entre le moment qu'il tue. Jusqu'à temps qu'il se fasse interroger par l'inspecteur. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle des journalistes, il appelle la police, puis il dit bon, ben, il y a un cadavre sous la rue Cosgrain, dans tel appartement, allez voir, puis rejoignez-moi au bureau de tel juge. Pourquoi il veut l'amener dans ce bureau de juge-là? C'est parce que Yves avait eu une relation sexuelle avec le juge quelques jours auparavant. Donc, il a décidé de. Pour faire un espèce de gros problème, si on peut dire, il a pris les clés, puis il a tout planifié ça, il a pris les clés du bureau du juge, puis il a décidé, bon, ben, vous devez me rejoindre à ce bureau-là pour, évidemment, en parler. Pourquoi il appelle les journalistes, évidemment, c'est parce que lui, ce qu'il veut, c'est que on honore un peu Claude, qu'il veut pas qu'il y ait plein de monde qui dise n'importe quoi pour Claude, que ce soit vraiment comme ça qu'il est mort, puis il est mort par passion. La mise en scène a été faite par Frédéric Blanchette et les acteurs sont Benoît McGuinness qui incarne Yves, ensuite Marc Bélan qui fait l'inspecteur, ça c'est les deux principales. Ce que j'ai vraiment aimé de cette pièce-là, c'est vraiment les émotions, les valeurs, puis en général tout est vraiment dans cette pièce-là, mais quand je vous dis les émotions, c'est que à la fin, Benoît McGuinness qui incarne Claude, lui, ce qu'il fait, c'est que le monologue de 22 pages que lui-même a fait, là, que présenté, est assez incroyable. Je veux dire, 22 pages, s'en rappeler comme ça, là, c'est assez incroyable. C'est vraiment, c'est vraiment un acte incroyable. Juste d'avoir fait ça, ces 22 pages-là, sérieux, c'est vraiment très incroyable. En plus de ça, avec les émotions qu'il avait, je veux dire, il pleurait en même temps. On ressentait dans sa voix que... C'était comme si c'était vrai, c'est vraiment comme si ça se passait pour de vrai, puis on pourrait ressentir dans sa voix qu'il y avait vraiment des émotions pour Claude, puis que c'était sérieux entre les deux, puis qu'il y avait beaucoup de passion. Aussi, l'expression des acteurs, quand je dis l'expression des acteurs, c'est vraiment les gestes qu'ils posent, le fait que l'inspecteur il se déplace dans la pièce, qui brasse un peu Yves pour lui dire « Écoute, va faire falloir que tu dises quelque chose, ça fait 36 heures qu'on est ici, t'sais, lui... » L'inspecteur, sa job, c'est vraiment de savoir ce qui s'est passé. Puis après 36 heures, je veux dire, t'es vraiment écœuré. Fait que t'as vraiment envie que Claude, vraiment, que Yves, ils disent qu'est-ce qui s'est passé. Aussi, moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est Benoît McGuinness qui a vraiment joué sa pièce avec tant d'intensité. Je veux dire, tout son langage, toutes ses expressions étaient vraiment très bien planifiées. La manière qu'il racontait ça, c'était bien. Mais une chose que j'ai moins aimé, c'est que on peut comprendre que tu sais il est un peu émotionnellement, il est instable en ce moment, puis tu sais il a pas vraiment envie d'en parler, mais finalement à la fin il en parle, mais pour les premières 36 heures, ça lui tente pas vraiment d'en parler. Puis ce que j'ai pas vraiment aimé, c'est le fait qu'il se déplace pas assez. Je veux dire, dans le film, quand on a vu des extraits vidéo, on a vu qu'il se déplaçait dans la pièce, puis il parlait à l'inspecteur, mais là dans la pièce de théâtre, il restait assis dans son coin, il s'assisait, il bougeait pas trop,
il s'assisait. Moi, j'aime pas vraiment ça. Mais c'est correct, là, c'est la mise en scène, pas de problème avec ça. Aussi, je veux dire, la pièce de théâtre a vraiment rempli mes attentes. Je veux dire, tu lis le livre avant, tu vas le voir, la pièce de théâtre après, ça concrétise tout le côté de toi qui fait comme « Ah oui, ce livre-là, c'est bon », mais quand tu vas voir la pièce de théâtre, c'est encore meilleur, tu sais. C'était vraiment très, très bien fait. Puis, aussi, ce que je trouve incroyable, c'est... vous nous l'avez dit en classe, c'était la première fois qu'ils faisaient ça avec une salle juste d'étudiants. Donc, on parle vraiment de personnes qui sont plus jeunes que des adultes. Donc, les réactions sont assez différentes dans le sens que... Il y a des fois que les adultes vont peut-être pas rire à une telle blague ou vont peut-être pas rire dans un instant, mais nous autres, on va peut-être rire. Je trouve ça assez incroyable que Benoît McGuinness et l'inspecteur... l'inspecteur ils ont pas hésité à dire des choses parce qu'ils étaient stressés. C'était vraiment très bien fait de leur part. Une chose que j'ai vraiment aimé aussi, c'est à quel point Yves et Benoît McGuinness, ils montraient les valeurs, ses valeurs, dans le sens que on sait qu'il est homosexuel, mais du moment qu'il rentre à l'intérieur dans la pièce, on peut déjà le remarquer dans ses premiers mots qu'il est homosexuel. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Une personne qui l'aurait pas lu le livre avant, il aurait vraiment pu savoir que il a tué un gars parce qu'il l'aimait, donc il était homosexuel. On a vraiment pu savoir dans ses gestes et dans ses paroles qu'il l'était. Une chose aussi, les aspects visuels. Je veux dire, ce que j'ai aimé, c'est que dès la place où j'étais assis, la pièce avait l'air plus grande que vraiment ce qu'elle avait de l'air. On dirait que les coins étaient pas droits, que ça remplissait, c'est vraiment gros. Moi, j'ai aimé cet aspect visuel là, que c'était une grosse pièce. Et aussi l'éclairage, on peut voir que la luminosité augmente au fur et à mesure que la journée avance, t'sais. Moi, j'aurais jamais pensé qu'il irait rajouter ça vraiment dans la pièce de théâtre. C'était une très belle touche. Aussi, dans la pièce, j'ai vraiment aimé à quel point les lignes étaient un peu déformées, comme d'où est-ce que j'étais assis. On n'avait pas dit que la pièce était droite, on dirait que tout était dans un coin, tout s'en allait vers un sens. C'était vraiment très bien fait comme décor. Une affaire que j'aurais aimé ça vivre un peu plus, c'est l'espèce de découragement d'un inspecteur. C'est vrai que après 36 heures d'essayer de faire sortir les verres du nez d'un gars qui veut rien avouer, ça peut devenir quand même assez frustrant, mais j'aurais aimé ça voir un petit peu plus de frustration de la part de l'inspecteur. Tu sais, un petit peu plus de « ah ouais, ça, on recommence. » Tu sais, le nombre de fois qu'il dit « recommence », il me semble que l'inspecteur aurait pu sortir un peu plus cette émotion-là, cette espèce de découragement, cette espèce de frustration qu'il y avait. Il me semble que ça aurait été un peu mieux. Aussi, une affaire que j'ai pas. Les choses que j'ai pas aimé de la pièce, c'est. Au début, la musique country, c'était un peu. C'était un rajout qui aurait pu être évité. Je veux dire, c'était une bonne musique, mais en même temps, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Il aurait pu l'enlever, ça aurait été plus silence, puis j'aurais pas de problème avec ça, mais là, rajouter, bon, il y avait pas vraiment de rapport avec. Puis. Aussi, une affaire que j'ai pas aimé, c'est à la fin, la dernière scène où est-ce qu'on voit Claude, c'est très bien fait. Moi, j'aime ça, comment ça a été placé, la pièce. Mais il aurait pu nous épargner ça parce que dans le livre, il n'y avait pas cette scène-là où est-ce qu'on voit Claude. Ou du moins qu'on décrit Claude, où est-ce comment il est. C'est qu'il est mort à terre, il est nu, blablabla. Il aurait pu nous épargner ça. Je recommande cette pièce-là à toute personne qui ont. D'après moi, mon âge est un peu plus, et qui ont lu le livre. Vous vous demandez probablement pourquoi. Mais si tu lis le livre avant, tu vas pouvoir un peu t'attendre au langage, aussi aux valeurs qui sont véhiculées dans cette pièce de théâtre-là. On peut s'attendre à quoi qui se passe. Donc, des petites secondaires 1, 2, je me vois pas vraiment les... Je pense pas vraiment que ça serait une bonne affaire pour eux d'aller à ce théâtre-là, parce que ils vont entendre un mauvais mot, puis ils vont faire « Ah, ils vont capoter ». Je veux dire, c'est des personnes de mon âge ou plus vieilles. C'est pas mal mon opinion. Donc, merci et bon visionnement.